Mes chers amis, bonsoir, bonsoir, les gilets jaunes, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Ce soir, je vais essayer de faire court pour pouvoir me reposer un peu. Alors, je vais vous la faire simple. Voilà cette une de 2017 importante. Pourquoi? Parce que nous voyons bien que, comme je vous ai dit, le mouvement des Gilets jaunes a été déclenché pour les raisons qu'ils ont voulu mettre en place, c'est-à-dire les taxes. On voit ça avec la TIPP. Et que nous avons heureusement réussi à modifier, à récupérer, à faire échouer en tant que mouvement basé uniquement sur de fausses revendications. Sauf que bon, bah, le système n'arrête pas d'envoyer ses propres comédiens pilotés. Et nous pouvons considérer que nous sommes tous, et particulièrement ceux qui nous gouvernent, pilotés d'une manière ou d'une autre, parce que nous ne vivons pas seuls. Nous sommes toujours entourés de personnes, que ce soit des personnes proches, des collègues de travail, des amis. Et il n'y a pas vraiment de hasard. Toutes nos rencontres sont quelque part choisies, voulues pour quelque part que tout le monde soit piloté. Vos succès comme vos échecs, c'est de la même manière, ce n'est pas le hasard. Imaginez des gens qui, depuis la nuit des temps, possèdent absolument tout, ont le pouvoir sur tout, et vous pouvez aisément comprendre que quelques familles qui nous tiennent arrivent à modeler le monde et la vie de chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous aussi. Donc, cette carte, donc nous sommes en train de la vivre, mais nous avons réussi à la modifier. Donc, cette carte vous explique le fonctionnement du monde. Donc, vous voyez, c'est nous avons les religions, et là, le double masque, c'est les sociétés secrètes, c'est la franc-maçonnerie. Ce n'est pas un hasard s'il y a une pyramide. Donc là, c'est toutes les civilisations sont liées, hein. C'est toujours les mêmes derrière. Nous vivons actuellement, si vous ne l'avez pas remarqué, avec toujours la civilisation grecque. Vous regardez toutes les langues occidentales, vous regardez les institutions étatiques, nous sommes basés sur le modèle grec. Mais n'empêche que toutes les civilisations, comme je vous ai dit, successivement, portent les mêmes caractéristiques, les mêmes règles de façon générale. C'est toujours les mêmes derrière. Donc, vous voyez, donc le jaune n'est pas choisi au hasard. Pas uniquement les gilets jaunes, il y a du jaune partout. Là, nous pouvons considérer que ça peut être Macron qui vit dans une bulle, mais ça peut être aussi plein d'autres dirigeants, hein, vu que tous sont manipulés. Tous sont pilotés. Vous voyez, autour de lui, donc il y a ce jeune. Il crée donc avec sa politique notre réalité. Ici, sur un fond jaune, donc voilà, ces personnes-là sont aussi pilotées. Donc vous voyez, c'est Marine Le Pen, mais peu importe les Le Pen, Merkel depuis très très longtemps. Là, il s'agit donc des élections européennes. L'Europe va jouer un rôle central dans le conflit qui va venir. Ici, donc nous avons des étoiles jaunes, des personnes, bon bah, que le système a prévu
encore une fois, de promouvoir, il y a une étoile filante. Donc cette étoile filante peut être Macron s'il se réveille, ou une autre personne, mais ça sera une manipulation, ça sera pour de faux. Là où j'attire votre attention, c'est, vous avez vu le lien avec le jaune, et regardez donc Trump qui est assis au final, le jour du jugement. Au final, qui triomphe? Eh bien, toujours les mêmes. Vous voyez, c'est Trump, en plus avec sa chevelure blonde, qui s'en retrouve assis sur la planète. La carte est totalement jaune dans son fond. Et si vous avez encore un doute, bah, voilà la une des économistes. Regardez ce qu'il a écrit, toujours avec ce fond jaune, Planète Trump, c'est-à-dire que la planète lui a été promise. Notre mission en tant que peuple qui n'y est pour rien et qui veut juste s'affranchir enfin de son, de ses bourreaux, de sa condition d'esclave, c'est de faire échouer toutes les cartes qui n'ont pas encore été jouées. C'est-à-dire, il n'en reste pas beaucoup, c'est-à-dire cette carte-là des élections européennes, il ne faut pas que ça arrive, donc il ne faut surtout pas qu'on fasse, qu'on donne de l'avance, ni en première place, ni, ni en quantité de députés pour Marine Le Pen. Ça, c'est une certitude. Comme nos amis allemands, il faudrait qu'ils fassent échouer donc Merkel ou le Pays-Bas, c'est la même chose. Il faut que cette carte n'arrive pas, il faut faire échouer cette carte d'une guerre civile ou d'un conflit mondial, de la même manière que cette carte, vous voyez bien, on va mettre les croyants d'un côté avec le bloc chinois russe, le bloc communiste de l'autre. Et donc la tour qui brûle, ici il y a ce qui pourrait être à l'entrée la déclaration des droits de l'homme. Donc nous sommes vraiment concernés. Vous voyez bien que tout se passe actuellement en France. Les gilets jaunes, c'est mondial, mais le principal est concentré en France. Donc voilà les cartes qu'il faut qu'on fasse échouer. C'est cette carte des élections, cette carte de l'hécatombe, de la guerre civile, et cette carte de la guerre totale. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo. On va la regarder après ce que je viens de vous dire. Alors, pour continuer d'abord sur ce que je vous disais, sachez qu'il y a toujours les deux possibilités pour tous les gouvernants. Soit comment dire, leur comportement résulte d'une résistance à la manipulation, soit ils exécutent le plan en simulant résister. Donc ceci est valable pour Arnaud Montebourg qui apparaît comme avoir résisté lorsque il a refusé de vendre les bijoux de la famille et de vendre et de laisser Patrick Drahi donc racheter SFR. C'est soit un héros parce qu'il a résisté, soit il a cédé sa place à Macron parce que c'était écrit ainsi. De la même manière, il faut regarder désormais
Theresa May différemment. D'ailleurs, c'est l'économiste lui-même qui est content parce qu'il dit Theresa May perd encore une fois. Je vous rappelle que Theresa May a compris vers où son pays va être entraîné parce que si il n'y a pas comment dire, de sortie de l'Union européenne pour d'autres pays que pour donc l'Angleterre, il est évident que le système va faire la peau à l'Angleterre pour montrer qu'il faut surtout pas faire des exits, que ce soit Brexit, Frexit ou autre. Donc c'est pour ça qu'il faut la regarder autrement. Ou alors, je vous ai dit, l'autre possibilité, c'est que nous ralentissons vachement leur plan. Il y a toujours eu du retard sur l'exécution des plans de The Economist. Ou alors, nous ralentissons donc leur plan. Et du coup, Theresa May ralentit la sortie de l'Angleterre. Donc de son partenariat avec l'Union européenne. Il est évident que lorsque l'Angleterre sortira de son partenariat avec l'Union européenne, alors que vous voyez bien en France tout est déjà préparé pour récupérer un maximum d'entreprises, de la place financière est visiblement promise à Paris et éventuellement aussi à Jérusalem, ça sera une succession donc d'événements économiques majeurs qui se produira parce que actuellement la place de moins en moins, mais la place forte financière au monde, c'est quand même Wall Street et la City, c'est-à-dire Londres. Alors, je vous mets la petite vidéo. Il n'en reste pas moins que ce krach rampant perturbe l'ensemble des marchés. L'or a plongé cette semaine après les ventes massives des fonds d'investissement américains qui cherchent à compenser leurs pertes. Depuis le début de l'année à New York, l'indice Dow Jones a perdu 19%, le Nasdaq 37%, à Paris le CAC 40 recule de 31%. Donc, c'était en 2002. Mais c'est quand même un rappel, c'était quand même il y a 17 ans, d'accord? Ça s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire. Donc d'ailleurs, ça me rappelle, tiens, je vais me mettre à l'écran. Ça me rappelle qu'aujourd'hui, tiens, pour l'anecdote, c'est la première fois on m'a demandé de regarder. J'ai regardé les 12 coups de midi sur TF1, je ne regarde jamais. Les questions ne sont pas très difficiles, hein. Et si j'avais joué, j'aurais gagné les 20 000 euros à la fin. Ça m'aurait vachement aidé. Pourquoi? Parce que les questions sont faciles. Donc le candidat qui a fini comme d'habitude n'a pas eu trop de peine à répondre. Il a pêché sur la dernière question. Vous vous rendez compte? La dernière question, c'était après quel événement, après quelle guerre, il y a eu donc cette faste période économique, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Il avait le choix entre Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ou alors choisir un autre événement. Il a failli choisir un autre événement, et puis ensuite il a dit la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment dommage. Il ne faut pas vous fier uniquement à ce que vous apprenez à l'école et à la télé. Il faut vous documenter, il faut vraiment vous intéresser à notre histoire. Notre histoire est pleine d'enseignements. Il faut vraiment essayer de faire un travail personnel, remonter aux civilisations anciennes, les Égyptiens, les Romains, les Grecs, toutes les civilisations. Et je vous rappelle que ces civilisations ne sont jamais finalement éteintes. Nous vivons, ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous.
Donc, bon, bah, je vous le dis, hein, c'était après la Première Guerre mondiale, suite à la crise, justement, c'est pour ça que j'ai fait le lien, au crash boursier de 1929, il y a eu 30 années merveilleuses pour tout le monde. Forcément, quand vous cassez tout et que vous devez tout construire derrière, bon, bah, tout le monde s'éclate. Alors, je vous remets la vidéo, et là, donc c'est en 2002, et l'histoire est une répétition. La précédente, c'était en 87. Allez, on regarde. Une dégringolade sans fin, bien différente du krach précédent de 1987. Explication, Martin Gouès et Jean-François Chevet. Après avoir chuté très rapidement, les cours se reprennent. En un an, le CAC 40 retrouvera sa valeur et continuera à la hausse. Le krach actuel, lui, est rampant. Depuis 2 ans, l'indice n'en finit pas de baisser. Donc là, en revanche, c'est d'actualité, hein. Les titres que vous voyez, c'est 2018-2019, hein. Vous ralentirez cette vidéo ultérieurement pour voir dans le détail. Le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Generations, a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Of the soul. When our founders declared a new order of the ages. When soldiers died in wave upon wave for a union based on liberty. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire. International. C'est un ordre au sens monétaire d'abord. Il faut que nouveau système monétaire international prévoie des marges de fluctuation entre les principales monnaies. Si... In the United States. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. De la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality. Donc vous remarquez au passage que ce sont toujours les mêmes qui donnent les top départ. C'est Trump qui a commencé par reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Vous remarquez que Macron ne l'a pas fait. En tout cas, pas encore. C'est pour ça qu'il nous reste de l'espoir. Que, comme toujours dans l'histoire, la France ne suive pas les autres. Que Macron ouvre les yeux, qu'il a été manipulé depuis son enfance et qu'il est enfermé dans... Il se moque de lui. Il est enfermé dans des histoires de Jupiter, de dieux, pyramides... et de choses complètement manipulées. Nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti
éthique et économique. David Rockefeller. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les intérêts des États-Unis. Ils nous définissent, ma famille et moi-même, comme des internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous préférez. Si c'est de cela qu'on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. David Rockefeller. Moins prosaïque, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... On a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça, on sait le faire autrement. Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire pour, et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école. À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera de ce point. Create a one world government, run by the banking industry, run by the bankers, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has the purpose. Donc ensuite, je vous dirai un mot sur cette couverture donc 2019. Mais avant... C'est important de souligner un élément. Alors, il y a tellement de couvertures, et effectivement, là, je n'ai pas le temps de tout détailler. Je vais juste vous montrer un élément. Alors, si j'ai une couverture viable, on va regarder la couverture de 2016 pour aujourd'hui. Alors, on peut, vous verrez dans la succession de couvertures, il y a donc plein de dirigeants, tantôt en noir et blanc, tantôt en couleur. On peut supposer qu'ils activent et désactivent les dirigeants suivant leur actualité ou le fait qu'ils soient élus ou pas, en les grisant ou en les mettant en couleur. Donc vous voyez ici, Hollande est grisé. Il a été désactivé. On voit Marine Le Pen qui est, on va dire, entre guillemets, allumée derrière Christine Lagarde. Ici, donc, Janet Yellen, la présidente de la Fed, qui est grisée. Merkel qui est grisée. Hillary, vous le savez, elle est grisée, de la même manière pour Obama. Mais dans d'autres couvertures, vous verrez que Merkel est rallumée. On voit que Poutine est allumé, le pape. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un élément troublant. Donc, je vous avais déjà montré ce qui pourrait être Flyrider ici.
cacher derrière Poutine. Ici, vous savez à quel point, ou si vous ne savez pas, c'est pas pour rien que les Jeux Olympiques, ça date depuis l'Antiquité. Hein. C'est les Jeux Olympiques ont beaucoup. Il y a beaucoup de sens derrière les Jeux Olympiques, derrière les anneaux, derrière les manèges qu'ils font à chaque ouverture et à chaque clôture. Il y a beaucoup de sens derrière. Là, nous voyons le drapeau américain, donc multicolore, ce qui revient à la couverture où on voit Trump régner sur le monde. Ici, c'est ce que nous sommes. Vous voyez, c'est un bonhomme qui regarde un peu tous les dirigeants et en quelque sorte l'information, l'actualité, la politique de manière générale, la géopolitique, enfermé dans une bulle. On sait qu'il est... là ici c'est écrit brain, cerveau. L'image que j'ai est de mauvaise qualité, je ne peux pas agrandir plus. Ici c'est écrit cerveau. Ici, c'est un bol, c'est de la nourriture, et il tient une mallette, donc il est enfermé dans la bulle métro, boulot, dodo, et son cerveau est complètement déconnecté, il n'y comprend pas grand-chose. Et vous êtes tous et toutes dans votre vie, dans 100 cas, parce que plus personne n'a le temps pour s'arrêter, et pour prendre du recul, et pour observer, pour analyser, pour réfléchir par lui-même, pour faire ses propres recherches, c'est la course sans arrêt. D'ailleurs, De Gaulle le disait, donnez-leur beaucoup de travail, ça les empêchera de réfléchir. Vous voyez que c'est plus d'actualité que jamais. Là où je voudrais m'attarder, et je suis dégoûté que la couverture soit de mauvaise qualité, c'est sur les messages qui sont écrits ici. Je vais essayer de voir... J'essaie de voir si j'en trouve pas une meilleure. Un instant. Alors. Alors je crois, voilà, j'en ai une là, je l'avais préparée. On va la regarder juste là. Voilà, parfait, c'est parfaitement lisible pour vous. Donc regardez, j'ai agrandi le bonhomme. Regardez, je l'ai isolé. Là, on peut lire ce qu'il y a d'écrit. Donc ici, c'est écrit Doom Phone. D'accord ? Ici, c'est écrit LDL. Et ici, c'est écrit Venmomé. Bon, a priori, ça n'a aucune signification. Sauf que... Si on s'amuse à aller voir ce que ça donne donc sur notre cher ami Google, les résultats sont stupéfiants. Donc le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Donc là, on apprend qu'il y a de nouveaux médicaments qui vont arriver pour nous aider sur le mauvais cholestérol. Il y a aussi des médicaments pour
faciliter donc la circulation du sang dans les vaisseaux sanguins, on va dire un peu obstrué. Tout ceci, vous l'avez compris, a un lien direct avec l'hypertension, quand on sait que c'est un mal planétaire. Donc ensuite, on va chercher Venmo. Venmo-mé. Et regardez, comme par hasard, on vient de voir le sujet des billets de banque. Venmo-mé fait partie, ça a été créé récemment, fait partie de PayPal, toujours dans la politique de ne plus du tout avoir ni de carte ni d'argent avec vous. Alors, ils ont fait une vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est ici. Non, c'est pas là. Alors, où est-ce que je l'ai trouvé la vidéo ? Non. Alors, attendez, je regarde. Alors, c'est... voilà, c'est ici. Alors, ça rame toujours chez moi, entre les attaques et ma connexion. Alors non, ça... Il y a donc ces chaussettes... Voyez bien, c'est peut-être la future mode, si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, c'est pas ma mode. Alors non, c'est pas ici. Normalement, c'est ici et là. Pourquoi ça sort pas? Voilà, elle est là la vidéo. Alors regardez, la vidéo est troublante. Donc on essaye de nous convaincre que les billets de banque posent problème parce que on s'infecte les uns les autres et que il y a dedans des traces de drogue, de tout. Et regardez comment ils font allusion donc au fameux billet américain. Regardez. As the proverb says, cash rules everything around me. It's also super gross. Here's the dirt on our dirty money. Coinage, life well spent. Presented by Geico. A 2017 study from PLOS ONE swabbed $1 bills across New York City and found hundreds of microorganisms. Lower bills are the grimiest because of their high circulation. In fact, 94% of singles are infected with some kind of bacteria. The most common germ found on paper money actually causes acne. See? It's not just diet and genes holding you back. It's capitalism, too. That's not all you can catch on a dollar.
U.S. dollars are made from cotton and linens, so they hold on to everything. Your pocket cash is likely teeming with mold, yeast, bodily fluids, fecal matter, and drug residue. Needless to say, Mr. Washington has definitely seen some weird stuff. Though it's rare for dirty money to actually get you sick, researchers have used cash tracking to trace epidemics like the flu. Knowing all this, we wouldn't recommend for anyone to put their money where their mouth is. Coinage. Life well spent. C'est quand même troublant de voir ça comme par hasard, donc au même endroit sur la couverture de The Economist. Et pour finir, donc il y avait un autre mot qui était donc écrit sur le téléphone, Doom Phone. Ouais, il suffit de chercher Doom et regarder comme par hasard. C'est extrêmement troublant. Tout ce qui sort, moi je n'étais pas au courant, eh bien c'est encore quelque chose qu'ils ont pondu concernant l'Union Européenne. Donc on apprend que Doom, cela veut dire document unique de marché européen, et en gros, pour vous la faire simple, il a été publié donc le 6 janvier 2016, toujours sous le même manipulateur qui a manipulé aussi l'enfant Macron, c'est-à-dire François Hollande. Et on apprend, alors j'ai lu, hein, que grâce à ce DUM qui est en service, hein, les opérateurs privés n'ont alors regardez. Le document unique de marché européen, DUM, devrait permettre d'alléger la production de certificats ou autres documents relatifs aux critères d'exclusion et de sélection. En gros, un opérateur économique donc privé fait une espèce de déclaration sur l'honneur qui s'appelle DUM, et du coup il s'affranchit de tous les contrôles habituels publics. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. Le document unique européen DUM est une déclaration sur l'honneur des opérations des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers. Vous voyez comment on court-circuite tous les contrôles public ou alors d'organismes agréés par l'État, par les États. Maintenant, les opérateurs économiques privés vont s'auto-contrôler grâce à ce fameux DUM qui est aussi dématérialisé, c'est-à-dire que ça se fait depuis des ordinateurs, hein, il n'y a même plus besoin de remplir des formulaires. Alors, si on imagine le monde d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, les ordinateurs qui remplissent les amendes, qui nous les envoient à la maison, c'est-à-dire qui passent leur temps à remplir des formulaires, vous imaginez que ceci va devenir robotisé et qu'on n'y verra plus que dalle après. Sans oublier le danger, bien entendu, du fait que nous n'aurons plus la main du moment que on dit aux opérateurs économiques privés « vous vous auto-contrôlez vous-même ». Maintenant, je reviens, donc je voulais vous dire un mot sur la couverture 2019 avant qu'on se quitte. Je vous invite à regarder donc ce court reportage que vous connaissez déjà, à mon avis. Voilà, nous connaissons la couverture de l'édition spéciale 2019, et j'imagine que beaucoup de gens étaient dans les starting blocks afin de la découvrir.
Surtout après ma précédente vidéo dans laquelle je vous prévenais que certains youtubeurs analysaient une couverture imaginaire. À ce propos, j'aimerais faire une petite parenthèse. Le 3 novembre, j'ai appliqué la méthode des journalistes d'investigation. J'ai respiré un bon coup, puis j'ai contacté le journal The Economist. J'avais dans l'idée d'obtenir des informations concernant la nouvelle couverture de 2019. Après avoir fait connaissance avec toutes les secrétaires de l'immeuble, j'ai pu enfin dialoguer avec un responsable qui travaille directement avec Sophie Pieder, la directrice du bureau de Paris. Je n'ai pas obtenu d'informations sensibles, car tout est ordonné en haut lieu et les décideurs protègent bien le secret. Néanmoins, cette personne m'a confié que l'année dernière, ils avaient été très agacés par, je cite, « tous ces abrutis qui diffusaient sur YouTube des analyses sur une couverture provisoire ». D'après eux, ça cassait l'événement de la sortie de leur édition spéciale, une édition qui est aujourd'hui, pour l'entreprise, un coup marketing majeur et incontournable. Pour leur boutique en ligne, ils sont obligés, lors de leur vente en précommande, me dit-il, de fournir une image, mais par stratégie marketing, ils ne veulent dévoiler cette couverture qu'à la sortie officielle du magazine. C'est ce qu'ils feront effectivement plus tard sur leur page de vente en ligne, même si j'ai pu obtenir cette image 5 jours plus tôt par un moyen détourné. Pour écarter toute ambiguïté, ils avaient donc décidé de diffuser cette année une image vierge et le noir était le meilleur choix possible. Mais là... ils en sont tombés sur le cul. Ce responsable m'a dit, je cite, « La connerie humaine n'a vraiment aucune limite ». Notre discussion en est restée là et je lui ai suggéré de diffuser cette même couverture provisoire chaque année. Je ne vais pas revenir sur les précédentes couvertures, hormis sur celle de 2017 qui fait actuellement parler d'elle. Des gens m'ont fait remarquer que The Economist avait anticipé le mouvement des gilets jaunes. C'était pour moi une simple coïncidence, car le jaune est l'une des couleurs dominantes de ce dessin. Puis je me suis demandé si l'artiste n'était pas parti de cette révolution jaune pour créer le reste de son œuvre. Pourquoi pas ? À partir de là, j'ai constaté qu'on avait représenté la carte de Paris avec l'effet miroir, une technique que les initiés utilisent souvent pour dissimuler des messages. Sur cette carte, on aperçoit un éclair noir pointer les environs de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Est-ce là le présage d'un attentat ou d'un drame à cet endroit ? L'avenir nous le dira. En tout cas, là, cette analyse date du début des Gilets jaunes et donc le temps ne lui a pas donné raison. Alors il y a eu des échauffourées un peu partout, pas spécifiquement à cette basilique. Et là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que notre ami de Édition Fractale, qui fait certes un excellent boulot, croit, j'étais toujours persuadé de cela, croit que en passant un coup de fil à l'économiste, il va avoir toutes les réponses, alors que vous voyez bien, il en va à chaque fois soit d'attentats qui sont codés, comme l'attentat du 13 novembre 2015 que je vous ai démontré, hein. Tout est écrit noir sur blanc, la date était écrite, sauf que c'est hyper difficile à décoder. Leur couverture, si vous n'avez pas, on va dire, si vous ne faites pas partie de leur cercle. Et donc voilà, notre ami a cru, il le croit toujours, qu'en passant un coup de fil, il pouvait avoir des informations plus tôt que tout le monde. D'ailleurs, il est lui aussi un peu piloté parce que il arrive à avoir la fameuse couverture 5 jours avant tout le monde. Et donc on lui a servi comme réponse effectivement on a fait une couverture noire parce qu'il y a tout le monde qui nous embête, mais c'est juste pour ça, il faut rien voir derrière. Et erreur, elle est là l'erreur. Il y a eu donc deux couvertures, celle donc, que je vous montre régulièrement, que je vais vous remontrer là brièvement. Donc c'est cette fameuse couverture là qu'il faut effectivement inverser pour pouvoir lire
il faut l'inverser pour pouvoir lire l'écriture ici en petit. Elle contient beaucoup d'informations, cette couverture, mais revenons donc à ce que je disais. Il y a eu aussi donc cette couverture noire, celle-ci. Voilà, je vous la mets à l'écran. Et que voilà, notre ami a pris juste pour un coup de gueule entre guillemets de l'économiste, parce que nous sommes beaucoup d'abrutis à croire en n'importe quoi. Et je vous le rappelle, il n'y a pas de hasard avec ces gens-là. Donc cette couverture, pour moi, est valable. Elle est plus que valable. Voilà ce qu'ils prédisent donc pour 2019 ou 2020. Comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on ralentit leur plan, ils prennent une année, voire deux années de retard. Il est certain que l'année 2021 est primordiale, parce que beaucoup de choses sont annoncées pour 2021, mais nous voyons les préparatifs depuis quelques années. D'ailleurs, les Gilets jaunes, comme je vous ai dit depuis le début, vous pouvez regarder ma vidéo du 27 novembre, étaient avec une visée pour les élections européennes que nous vivons actuellement. Les élections européennes que nous vivons actuellement sont déterminantes, primordiales dans leur futur plan. En revanche, cette couverture nous dit très bien que, il va y avoir une espèce de blackout, il va y avoir certainement un crash boursier, une crise économique, aussi on peut y voir une apocalypse, ce qui depuis ça fait un moment ils veulent nous servir une apocalypse pour réaliser leur plan, le nouvel ordre mondial. On peut y voir une guerre totale, l'officielle Troisième Guerre mondiale, ou comme je vous dis depuis plusieurs temps que nous sommes actuellement dans la Quatrième Guerre mondiale, qu'on peut appeler la guerre secrète, la guerre des services secrets, la guerre précédente mondiale étant la guerre froide. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Sur ce, on va s'arrêter là et on continuera bien entendu dans les jours qui viennent. Allez, deux, trois bonjour et puis on se dira à demain soir. Francesco Lanteri, bonne nuit, bonsoir et bonne nuit. Liège Sauval, bonsoir la Révolution, cher ami, bonsoir et bonne nuit. Ginette Riester, bonsoir et bonne nuit. Diane César, bonsoir et bonne nuit. Oui, Liège Sauval, c'est à peu près 10 € sans prix. The Economist. Je vous souhaite donc une très bonne nuit. Pour ceux qui travaillent demain, courage à vous. Essayez de libérer un tout petit peu de cerveau pour réfléchir, pour chercher. N'allez pas l'épuiser dans les merdias ou surtout les publicités. Hein. C'est une catastrophe, les publicités. Si jamais un jour j'avais le moindre pouvoir, j'enlèverais toute possibilité de faire des publicités en vidéo. Ça sera juste des écrans fixes et chaque enseigne devra se débrouiller à mettre sur un écran fixe pendant 15 secondes ou suivant combien ils payent, pendant un quart d'heure s'ils veulent, une image fixe. Voilà, ça, ils feront des tableaux comme des économistes, mais je vous assure que le format vidéo avec la sonorisation comme ça qu'ils augmentent, c'est une absolue catastrophe, parce que c'est juste de la programmation subliminale de votre conscient et inconscient. Je vous dis à demain soir, mes chers amis. Bonne nuit.